naturelles. Juste de l'ouvrir. Voilà. Vas-y. Mais c'est avec les chinois. Aujourd'hui, on va faire un gâteau aux fruits rouges. Le gâteau, c'est un panna-cotta. Ça vaut du nom, ça. Pour le gâteau, on a besoin du lait et de la crème légère. Merci, 300 ml de lait. Verser le lait dans la casserole. Bon, ça roule un petit peu la casserole. Tu renverses? Juste de l'ouvrir. Voilà. Vas-y. On dit de la casserole. Il y en a encore. On va laver les siens. Portez au buisson. Surtout, vous n'approchez pas du feu. Regardez, c'est en train de chauffer le gâteau. Attends-moi. Mettez le sachet dans la casserole. Remuez pendant 2 minutes. Maintenant, on va mettre la préparation dans les moules. Je vais laisser ma maman les faire, c'est trop dangereux. Vous avez vu, c'est facile. Refroidir 4 heures au frigo, vous avez compris? Sortir les panna cotta au frigo et mettre du fruit rouge. Et moi? Vas-y, moi. Il faut pas dépasser. Tiens, on peut en mettre au bord? D'accord. Tu dépasses pas, hein? Les étoiles, enfin après. Bien. Voilà. Gardez. On met aussi ici. Bye bye. J'espère que cette recette vous a plu. Il y a des bonbons aussi.